Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Canal Malak dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir comment éviter la décharge rapide de la batterie de votre appareil Android. L'idée c'est de tuer ou hiberner les applications qui travaillent en arrière-plan, surtout par exemple WhatsApp, Messenger, Facebook, pour éviter ou pour remédier à la décharge rapide de la batterie. Les détails juste après la pause. Alors, pour ce faire, il faut premièrement aller sur ce site. Le lien, vous le trouverez dans la description en bas de cette vidéo afin de télécharger une application dite Kill Apps Pro. Donc, c'est une application Pro de type APK. Donc, vous allez descendre jusqu'ici, puis vous allez cliquer sur Download Now. Une nouvelle fenêtre s'ouvrira et cette fois-ci, pour télécharger l'application, vous allez toucher ici devant Download APK File Android. Donc, elle nécessite Android 4.4 ou plus. Si vous utilisez le PC à le fichier téléchargé, vous allez le copier dans la carte SD de votre téléphone. Si vous utilisez directement votre téléphone ou votre tablette, le fichier sera téléchargé dans le dossier Download ou téléchargement que vous allez après donc installer. Donc, premièrement, pour installer ce type d'application APK, il faut aller sur paramètres de votre appareil, puis chercher sécurité, voilà, accéder aux sécurités, puis vous allez activer source inconnue afin de pouvoir installer ce type d'application qui sont tiers à Google Play Store. Pour ma part, l'application est dans la carte SD. La voilà, Kill App Pro. Donc, je la touche pour l'installer. Puis, je touche installer. Donc, à la fin de l'installation, on va ouvrir notre application. Et voilà l'interface. Premièrement, vous allez sur les trois points ici, exactement sur paramètres, afin de modifier la langue. Vous avez ici plusieurs langues. Choisissez votre langue. Puis, faire un retour en arrière. Tout ce que vous allez faire maintenant, vous allez toucher ici. Premièrement, vous allez autoriser l'appareil pour qu'elle se superpose sur d'autres applications. Pour cela, vous allez toucher afficher les paramètres ici et ici, vous allez donc activer. Vous faire un retour en arrière, puis toucher une deuxième fois ici. Vous allez donc autoriser donc l'application à l'accessibilité pour pouvoir fermer les applications. Pour cela, vous allez donc toucher afficher les paramètres, chercher ici l'application, toucher là, puis activer ici, puis confirmer avec OK, faire un retour en arrière, voilà. Alors là, vous avez application utilisateur et application système. De préférence, il faut activer les deux. Alors, vous allez toucher encore une troisième fois ici, et là, donc, la fermeture des applications commence. Vous pouvez à toute fois annuler la fermeture en touchant ici, c'est annuler. Et voilà. Maintenant, donc, on va accéder une deuxième fois à l'application. Voilà, donc on la touche pour y accéder. On a ici trois applications lancées. Vous pouvez ajouter des listes des exceptions. Ça veut dire que les applications que vous ne souhaitez pas tuer ou héberner, vous allez toucher ici le signe plus et vous pouvez les ajouter sur la liste des exceptions. Donc là, ce sont les applications lancées. Ça, le Next Launcher, ça c'est le launcher que j'utilise. Donc elle s'ouvre dès que je la touche, elle s'utilise. Ici, on a échec de fermeture. Il y a des applications qui sont un peu rebelles à la fermeture et que l'application n'a pas pu les fermer. Mais elle a pu fermer plusieurs. Alors, ça ne veut pas dire que les applications fermées par l'application, vous ne pouvez pas les utiliser. Non. Ça veut dire qu'à chaque fois, on va quitter maintenant l'application, vous pouvez utiliser n'importe quelle application. On va utiliser par exemple Messenger. On pouvait l'utiliser. Donc, comme d'habitude, normalement, fermer l'application. Mais cette application maintenant est ouverte. Il faut aller une deuxième fois sur l'application Kill Apps pour la fermer. Pour cela, on va aller donc une deuxième fois sur l'application. On a ici donc les applications lancées 3. Vous allez toucher ici donc pour que l'application ferme ces trois applications qui sont lancées. Voilà, maintenant ce sera très très rapide. Il s'agit que de trois applications. Maintenant, toutes les applications sont fermées sauf le launcher
que je suis en train d'utiliser. Alors, si jamais vous allez utiliser une application ou deux, après que vous allez fermer ces applications, n'oubliez pas d'aller à l'application pour les faire. Ainsi, donc, toutes les applications qui consomment de la batterie et surtout celles qui travaillent en arrière-plan, comme par exemple Facebook, Messenger ou WhatsApp, sont fermées. Et maintenant, donc, la charge de la batterie, ça va se maintenir et c'est une remède pour la décharge rapide de la batterie. Et comme vous savez, nous, comme utilisateurs de smartphones, on souffre tous de la décharge rapide de la batterie, vu bien sûr l'utilisation excessive de l'appareil. Donc c'est tout pour cette vidéo, merci de l'avoir suivi et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. À la prochaine fois.